Bonjour frère et soeur, bienvenue sur Soborne. Ce que vous voyez sur l'écran, ce n'est pas du jeu. Aïe aïe aïe. Pour le rituel. Cet homme que vous voyez là-bas, c'est un pasteur. Oui, pour lui, il est un pasteur. Il a même une église. Et son église se trouve à la maison. C'est-à-dire, il a une maison qu'il loue. Ahmed, elle a transformé cela en une église. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que on ne retrouve pas sa femme depuis plusieurs jours. Ses cinq enfants demandent: mais père, où se trouve notre mère? Il ne sait pas. Et apparemment, l'un de ses enfants est allé parler au voisin. Et le voisin est allé aussi parler à la police. Et après des menaces, il a fini par avouer qu'il a tué sa femme. Il a battu à mort. Quoi? Sérieux? Apparemment, c'était un problème conjugal. Un problème conjugal. Il a frappé la femme jusqu'à ce que la mort est arrivée. Et après plusieurs corrections, il a fini par avouer qu'il a été trompé par son marabout qui lui disait que si ça se passait ainsi, il allait juste avoir des pouvoirs pour pouvoir dominer encore les membres de son église, avoir des pouvoirs, plus de pouvoir, plus de puissance. Et ce qui est dingue, c'est qu'il a enterré sa femme dans la cour qu'il louait. C'est là qu'il a creusé un trou où il a enterré sa femme. Regardez ici, regardez ici, regardez ici. Regardez là, regardez là, regardez là, regardez là. C'est en train de faire le tour des réseaux sociaux aujourd'hui. Regardez ce trou, regardez ce trou de ouf. Hein? Seigneur Jésus, dans quel monde sommes-nous? Un pasteur. Tout le monde veut être homme de Dieu. Tout le monde veut être homme de Dieu. Mais regardez maintenant ce que ça donne. Est-ce que vous voyez ça? Et les gens du quartier sont tombés sur lui. Ils ont commencé à le botter d'une manière, non? La police a dit que ça, là, si on n'intervient pas, hein, le monsieur va mourir dans ça. Ouais. Regardez. Il a enterré sa femme dans un trou qu'il a creusé juste là, dans la cour. Oui. Dans la cour. Je pense que la vidéo précédente pourrait nous donner plus d'informations sur ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et merci beaucoup de gens pour m'informer que vous êtes prêts à voir la prochaine vidéo et que nous devons poursuivre sur cette affaire. Quelle histoire! Les pasteurs dont les femmes meurent aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Regardez, il y a beaucoup de pasteurs dont les femmes meurent à un moment donné et les gens pensent que c'est la volonté de Dieu. Alors que en dessous, il y a des pratiques bizarres qui devaient avoir lieu ou qui ont eu lieu. Celui-là, malheureusement, on l'a attrapé. Mais qu'en est-il des autres pasteurs que l'on n'a pas encore attrapés? Des autres que vous voyez, que vous louez, vous vénérez. Là, vous allez faire attention, vous les femmes. Vous les femmes, faites vraiment attention. Avant d'épouser un homme, il faut consulter Dieu. Dieu qui connaît l'avenir, qui voit l'avenir, va vous dire qui est l'homme que vous voulez épouser. Vous risquez d'épouser quelqu'un qui va se transformer en un démon plus tard. Et là, ha! Ça risque de mal tourner pour vous. Ça risque de mal tourner pour vous. C'est pas de la blague. Regardez vous-même. Au bon milieu de la cour, regardez, au bon milieu de la cour ici, hein, le monsieur, il allait enterrer la femme là, comme ça, juste ici là. Là 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 là. Est-ce que vous en rendez compte? Juste comme ça. Juste comme ça. Jesus Christ. L'être humain. L'être humain est prêt à tout pour de l'argent. Même la vidéo précédente vous en dit long sur tout ce qui se passe dans ce monde. Comment les gens sont prêts à sacrifier leur prochain, à tuer leur prochain pour avoir le pouvoir, pour avoir de l'argent, toutes ces choses, de la blague!
toutes ces choses de même. Les gens sont prêts à tuer, à faire des choses de ouf. Regardez-moi ça. Et ça s'appelle une église. Une église. Et cette église a même un nom. Ça s'appelle Omega World Global Ministry. Ministries. Genre le ministère, le ministère international Omega. Et ils veulent tous être internationaux. Ils ne veulent pas être national, ils veulent être international. Ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils veulent, ils veulent le monde entier. Et c'est là, c'est le conduit dans le problème après. C'est le conduit dans le grave problème. Regardez sa photo. Le pasteur Choco. Ouais, il a pris son vêtement le plus beau. Et il est venu mettre ça comme ça. Et vous voyez sur son vêtement, qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est écrit. C'est écrit. Bro, UK, Enoch. Il s'appelle. Jean, il s'appelle Frère. Frère, quelque chose, Enoch. Son nom là, son prénom là. C'est Enoch. Frère, Enoch. Ah. Donc tu es notre frère. Alors, bonjour mon frère. Bonjour mon frère. C'est comment? Mais où est ta femme? Où elle est partie où? Dis-nous aujourd'hui où elle est partie là, go! 5 enfants! Vous voyez comment le diable détruit la famille? Vous voyez comment le diable détruit la vie des gens? La femme est décédée. Le père va en prison parce qu'il a tué sa femme. Où vont aller les enfants maintenant? Où vont aller les enfants? Ça, c'est en Afrique. L'Afrique, c'est pas comme chez les blancs. Où tout est structuré, on peut amener les enfants quelque part, mais pas avoir une famille d'accueil. Mais non. Aïe, aïe, aïe. En Afrique, c'est pas le cas. En Afrique, c'est pas le cas. C'est même pas le bas cas. Regardez. Vous voulez être pasteur. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut faire des miracles. Des miracles, des prodiges. Tout le monde veut impressionner les gens. Et voici le résultat aujourd'hui. Ça, c'est le résultat. C'est le résultat. Si vous vous contentez de ce que vous avez, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous voulez dépasser le niveau, vraiment, vous allez rencontrer des soucis. Je sais, je vous comprends parfois. Je sais que tout le monde veut évoluer, tout le monde veut réussir, tout le monde veut voir vraiment ses activités grimper. Mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Il faut attendre son temps. Il faut attendre son temps. Moi, j'ai galéré. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ouais. J'ai traversé des choses pas possibles, pas croyables. Mais, vraiment, Dieu a été vraiment bon avec moi en me donnant un bon esprit. Dieu a été bon avec moi en me menant des gens pour me parler, pour me dire, écoute, mon fils, je suis avec toi. Sinon, si Dieu n'était pas là pour me parler ici, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Sachant que j'avais même des amis, des potes qui étaient même déjà dans les pailles noires, dans les pâtures au cul, dans les sièges au cul, dans les trucs bizarres. Vraiment, je prie que Dieu m'encourage toujours et qu'il me guide toujours sur le droit chemin. Mes frères et sœurs, j'ai besoin de vos prières. Mes frères et sœurs, j'ai besoin de vos prières. Priez pour moi, priez beaucoup pour moi. Ouais. Priez pour moi et soutenez-moi dans toutes les dimensions possibles. Ouais. Je suis votre frère. Soutenez-moi pour que je n'aie pas fait des choses bizarres comme ça. Donnez-moi de la force et du soutien. Soutenez les plus faibles. Soutenez ceux qui en ont besoin, le plus besoin. Oui, quand vous avez le pouvoir de le faire. Pour le rituel. Pour le rituel. Pour le rituel. Vraiment, faites attention. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut épouser les femmes. Tout le monde veut avoir une femme. Oh, c'est joli. Mais si vous savez que vous êtes trop coléreux, corrigez vos problèmes de colère là d'abord, avant d'aller épouser une femme. Ça, je vous le dis.
Une femme là, on ne la frappe pas. Tu as frappé la femme là où? Où tu as la touché? Peut-être le diable est derrière toi aussi. Tu as touché juste un brin de ses cheveux, elle tombe tout de suite. Boum, tu es paniqué, tu sais pas où tu vas la mettre. Tout de suite, tu vas chercher à avoir des idées pour pouvoir faire disparaître le corps. Mais un corps ne disparaît pas facilement. Et c'est même ça le problème. Tuer quelqu'un, c'est facile. Mais faire disparaître le corps, c'est très dur. Après, il faut une raison, l'esprit de la personne. Là, l'esprit de la femme est agité. L'esprit de la femme est agité. Elle a réveillé les voisins. Ouais, regardez, 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 regardez. Est-ce qu'il aurait cru qu'un jour on allait l'attraper? Lui-même s'est confessé. Tellement les gens lui ont mis la pression, quoi. La frappez-moi de ça, d'abali de ça. Ouais, ils l'ont contre d'une manière, non. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, il a dit, ah, ça là. La même raison de frapper, il faut que je me confesse, sinon moi, il est parti. Vous voyez? Où va le monde? Où va le monde? Le passé de Tibi Yeshua est mort. Tout le monde a commencé à se confesser. Tout ce qui était caché, les gens ont commencé à révéler ça. Et les gens ont commencé à dire que non, c'est pas la vraie. C'est pas vrai tout ce que vous racontez. Mais quand on regarde ça là, quand on voit des choses pareilles, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Toute église n'est pas église de Dieu. Tout pasteur n'est pas pasteur de Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas où est Dieu. Les gens ne connaissent même pas la route de Dieu. Mais ils prêchent quand même. Ils sont Dieu quand même. On ne devient pas homme de Dieu qui veut. Non, ce n'est pas possible. Pour devenir un homme de Dieu, il faut que Dieu lui-même aille vous chercher. Comme il allait chercher David derrière les troupeaux. C'est-à-dire, il lui-même il travaillait. Il était de travailler. Maintenant, ce que Dieu va faire, Dieu va aller choisir ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent là, déjà. Dieu va aller les prendre. Ou même ceux qui ont déjà travaillé, qui connaissent ce que c'est que l'argent et qui sont fous de l'argent. Ce sont les gens maintenant comme ça que Dieu va les prendre. Dieu va les prendre des gens même insignifiants. Des gens même qui n'ont rien à prouver à qui que ce soit pour venir maintenant pour parler. Même les enfants. Je vous le dis. Mais là encore, il faut faire attention. Ne pas nous laisser avoir. Et tout le monde peut changer. Quelqu'un peut commencer bien et changer après. Vraiment, les voisins. Les voisins. Ce sont les voisins qui sont allés dénoncer le gars à la police. Oh, les voisins. Si vous voulez avoir des voisins, si prenez de bons voisins. Parce que les voisins, papa tôt là, on n'en veut pas. Les voisins, papa tôt. Mais là, ce qui devait arriver, devait arriver. C'est arrivé. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Hé, Seigneur. Hé, Seigneur. Lui, il n'est pas mort comme Tibi Yeshua. Mais c'est sa mort, c'est sa femme qui est morte. Que pouvez-vous dire de cela? Faites attention à vous les femmes, vous les filles. Dès que vous voyez un nouveau pasteur qui fait des miracles, qui fait des choses extraordinaires, vous êtes pressé, pressé, allez vous coller à cette personne parce que cette personne commence à avoir beaucoup d'argent. Si vous ne savez pas ce qui se passe au fond là, n'y allez pas. N'y allez pas, vous les filles, les nouvelles filles d'aujourd'hui qui avaient de gros yeux, de gros yeux comme des papayes là. Vous là. Vous là. Vous là, ne venez pas vous plaindre après. Ne venez pas vous plaindre après. Hein. J'ai fini de parler.